Psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le refuge de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand ceux qui font le mal s'approchent de moi pour dévorer ma chair, mes adversaires et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment. Habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation. Je chanterai, je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes détracteurs. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants! Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel.